Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec ma cousine Agathe. Coucou. Et comme on vous a dit hier, ou comme on vous a dit il y a quelques jours, on va faire notre petite FAQ. Elle a sélectionné les questions deux fois parce que je les ai perdues, hein. Voilà, la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne les ai pas enregistrées. Voilà. Donc après 25 minutes où elle avait bien sélectionné toutes les questions, elle me dit bah en fait j'ai pas enregistré et je les ai plus. Je dis bah t'es bonne pour les refaire. Donc elle a tout refait. Donc c'est elle qui a choisi les questions. Voilà, mais c'est bon, ça y est, elle les a. Elle a tout recopié. Bah non. Elle a tout recopié sur son portable et puis bah là on va y répondre ensemble. Quand tu veux. Alors, déjà on va commencer par dire notre âge, prénom, ville. Genre présentation basique. Voilà, présentation basique. Ok. Tu commences ou je commence? Vas-y. Je commence. Alors moi je m'appelle Lucille. J'habite depuis pas très très longtemps à Paris. J'ai 25 ans. Et voilà. Et voilà. C'est pas mal déjà. Ouais. Moi je suis Agathe. J'aime bien parce qu'elle a besoin de regarder son portable pour voir son prénom. Oui, c'est bon. Donc moi c'est Agathe, j'ai 11 ans et j'habite dans le sud à Narbonne. Et aujourd'hui elle s'est fait passer pour une gamine de 10 ans pour avoir des crates moins chères. Mais arrête. Imagine le serveur, il va il verra qu'on a économisé 10 euros ce soir. Dédicace à toi le serveur. Dédicace à toi le serveur de la crêperie. Ok, ensuite. Est-ce que Agathe aimerait avoir une chaîne YouTube? Est-ce que Agathe aimerait avoir une chaîne YouTube? Je crois que je connais la réponse. Ça commence par un O, ça finit par un I. Mais après, je suis pas sûre. Oui, j'aimerais beaucoup avoir une chaîne YouTube, mais mes parents veulent pas. Et je trouve ça normal d'ailleurs, parce que je suis encore jeune, mais bientôt. J'aimerais beaucoup. Voilà, quand elle sera plus grande, elle aura sa chaîne YouTube. Free, quand même. Voilà, et vous aurez deux youtubeuses de la même famille. C'est ça. Combien d'animaux avons eu? Combien d'animaux on a eu dans notre vie? Et c'était quoi les prénoms? D'accord. De ces animaux. Alors vas-y, t'en as moins que moi. Ouais, alors moi j'ai eu dans ma vie 3 chats. Mm-hmm. Céleste, Léon et Pandore. Elle a du mal avec les derniers. Pourtant c'est celui actuel, hein. Il y en a encore deux qui sont en vie, mais dont un que j'ai perdu de vue, ouais. Léon, brûlé. Il fait sa vie. Il fait sa vie. Et Céleste, elle est malheureuse. Et j'ai deux chats. Malou et... Et c'est quoi comme chien là? C'est un bouvier bernois et un bulldog français. Voilà, parce que c'est un peu pas du tout les mêmes types de chiens, quoi. Ouais. Et moi, alors si on résume vraiment au tout début, enfin, je pense que je vais mettre vraiment les animaux qui ont énormément compté et qui sont restés le plus longtemps dans ma vie. Donc on a eu Fleur, mon tout premier chat quand j'habitais à Paris. Après, il y a eu Caramel, mon lapin, qui est resté quand même 6 ans avec nous. Voilà, Caramel, c'était quelque chose. Après, on a eu Snowbell, qui est toujours là, c'est le chien de ma maman, petit chien blanc. Il y a eu plusieurs chats et plusieurs furets. Mes deux chats, bah, c'est ceux actuels, hein, c'est Calicie et Stark. Avant, j'ai eu Néo, qui est donc chez ma mamie, puisque bah, comme j'arrêtais pas de déménager et que j'arrêtais pas de bouger tout le temps, c'était très compliqué de le faire garder, donc maintenant il est chez ma mamie. Et ensuite, bah, des furets, j'ai eu surtout Mocha qui est resté très longtemps, une autre petite furette aussi, enfin voilà, j'ai eu pas mal de bébés furets. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et Hermès, que j'ai eu avec mon tout premier copain, qui va toujours très très bien, et qui est toujours avec lui. Quatrième question, quels sont vos animaux préférés? Moi c'est le renard. Et toi? Moi j'aime beaucoup, vous avez trouvé ça bizarre, mais j'aime beaucoup les hippocampes. Pourquoi ce sera bizarre? C'est beau un hippocampe. Ouais, je sais, mais c'est pas commun. Question suivante. Quelle est votre couleur préférée? Le rouge. Moi j'en ai trois. Le rouge, le noir et le blanc. D'accord. Mais alors le noir et le blanc, c'est pas vraiment des couleurs. Mais si. Non. Ah bon? Le noir, c'est l'absence de couleur. Et le blanc, c'est pas une couleur, justement, c'est une non-couleur. Oh, et puis... Donc voilà, le rouge. Le rouge. En couleur. Et t'as un rouge particulier? Le rouge bien foncé, genre. Bordeaux un peu. Ouais, voilà, comme moi. Pas ma cousine pour rien. Est-ce qu'on a des projets importants en cours? Des gros projets? Non, j'ai pas de gros projets en cours. Vive ma vie. Bah moi, réussir mes cours. Gros projet. Réussir mes études. Ouais, bah sinon... On n'a pas de projet, désolé. Ouais. I'm so sorry. Quels sont nos jeux vidéo préférés? En ce moment, j'en ai pas. Mais si je devais en dire un, j'irais Ion. Si je devais en dire deux, j'irais Dofus. C'est les deux jeux auxquels vraiment j'ai joué énormément et que j'ai adoré. C'est mes jeux préférés. Mais actuellement, j'ai pas de jeu préféré. J'aime bien les jeux auxquels je joue, mais pas de préféré. Moi, j'aime beaucoup Fortnite, mais j'y joue pas beaucoup. Mais j'aime bien regarder Fortnite. Quelle a été notre pire honte dans notre vie? J'en ai pas. Grosse honte. J'en ai pas eu. C'est une question qui revient très souvent. Mais j'ai jamais eu de honte. Ah, moi, j'en ai.
J'en ai eu plein, mais une vraie grosse. Ouais, mais une vraie grosse, tu vois, quelque chose qui vraiment te marque. En CE1, je me suis fait pipi dessus en cours, en pleine classe. Parce que j'avais honte de dire à ma maîtresse qu'on venait juste de sortir de la récré, j'étais pas allée aux toilettes. Du coup, j'avais honte de dire à ma maîtresse, oui, j'avais envie d'aller aux toilettes parce que je savais qu'elle allait me gronder. Du coup, je me suis fait pipi dessus. C'est horrible. Ok, ça c'est une énorme honte. Non, j'ai jamais vécu de truc comme ça, je suis désolée. Quelles sont nos pires phobies? Genre, là, une phobie qui me terrifie. Le vide. J'ai peur du vide, ouais. Vraiment, ça c'est quelque chose. J'ai peur de tomber en fait. J'ai peur de mourir quand je suis vraiment en hauteur. Mais par exemple, voilà, comme on parlait tout à l'heure, si je suis en haut d'une tour Eiffel, je suis dans un avion, je suis très bien. Ça se passe très bien. Mais par contre, si on me demande de sauter en parachute, si on me demande d'aller sur le bord d'un balcon, si on me demande de me mettre sur le bord d'une falaise, impossible. Ouais. Ou de faire de l'acrobranche, mais si je suis au-dessus de 3 mètres et que je sais que si je tombe, je me casse ou je meurs, un truc, c'est bon. Voilà. Moi j'ai. Et l'orage. Ah oui, moi j'en ai trois phobies vraiment. Bah des phobies quoi. Des vraies phobies, genre vraiment, vraiment pas bien. C'est les insectes, plus particulièrement les araignées. Alors, même les petites? Même les petites. D'accord. Une fois j'étais en colo et j'avais une toute. Parce qu'ici il y en a des assez grosses quand même. Arrête. Je te jure, c'est Stacy qui a hurlé parce qu'elle déteste les araignées. Genre par exemple, ce matin, je regardais la balle après de mon PC, il y en a une comme ça. Et je l'ai vu passer, même moi, tu vois, qui n'ai pas peur des araignées, j'ai eu un petit sursaut en mode. Toi, t'es quand même un peu grosse, donc je l'ai prise, j'ai mise dehors, mais je l'ai pas prise à la main nue. Hein. C'est bon, elle est plus là. Elle est plus là. Mais ça veut dire qu'il y en a qui se baladent quand même, parce que si à elle, t'inquiète pas qu'elle a fait des bébés ou qu'il y a sa soeur, il y a sa grand-mère, il y a peut-être son frère, on sait pas, mais. Oui, mais arrête de m'inquiéter, okay. S'il te plaît, sinon je vais pas dormir. Il y a pas d'araignée chez moi. Et en fait, j'étais en colère et en fait, il y avait des petites araignées et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré pendant longtemps et ils arrivaient pas à me calmer, les gens, j'étais pas bien. Première phobie. Deuxième phobie, je garde la pierre pour la fin. les orages aussi, genre hier il y avait des orages. On est sorti parce que ma tatie m'a montré comment il fallait fermer la porte. Bref, on est sorti et il y avait un orage. Il y avait un orage et vraiment, j'étais pas bien. J'ai couru vers l'entrée et je sais pas, j'arrivais pas à ouvrir la porte et ça m'a stressée. Et j'ai commencé à péter une crise. Enfin, vraiment, j'étais pas bien. Moi je sors pas quand il y a de l'orage. Je trouve ça très beau. Franchement, ouais, l'éclair et tout, c'est très beau de loin. Je peux regarder un orage de loin, je vais trouver ça beau, mais ça va pas du tout me bercer et je vais pas du tout être rassurée si je suis à l'extérieur. Faut que je sois chez moi. Et dès que ça gronde, j'ai un petit Non. Ouais, moi après j'ai ma la pire. La pire. C'est quoi la pire? Et la plus bizarre. Après les araignées, les orages, c'est quoi la pire? C'est les ponts. Pardon, je m'y attendais pas. Hein. Je découvre des choses ce soir. J'ai une phobie terrifiante des ponts. Genre, dès que je suis sur un pont, mon cœur il est. D'accord. Même c'est si c'est un énorme pont quoi. On parle pas du petit pont. Encore pire si c'est un gros pont. D'accord. Et quand il y a de l'eau, même si c'était sur les autoroutes là, où il y a des trucs dessus, ben même j'ai peur. D'accord. Je sais pas, qui s'écroule. Alors moi j'adore me balader sur les ponts de Paris pour prendre des photos quoi. Ah non, mais moi je suis terriblement à l'idée d'avoir. Ok, je t'amènerai pas sur un pont, c'est promis. Une question qui est beaucoup revenue, c'est quelle est la date du mariage de ma mère. C'est le 7, c'est-à-dire dans 2 jours. Pas non. 3 jours? Pas pour eux, non. Bah bientôt. Ouais. C'est le 7. C'est le 7 juillet. Voilà, 7 juillet 2018, pour ceux qui regarderaient ça dans longtemps. Voilà. Voilà, on a tout dit. Quand est-ce que... quel âge vous avez fait votre premier baiser? Le premier vrai bisou avec la langue et tout le bazar, je l'ai fait en 4e. Mais le premier kiss, comme ça, je l'ai fait en CM2. Ah, moi, le premier kiss, je l'ai fait en maternelle. Mais c'était pas vraiment en maternelle. Et après, un garçon qui te plaisait, on va dire plutôt ça. Un garçon qui me plaisait en CM1. Elle est précoce. Mais on n'a pas. Enfin, genre, juste un smack. Oui, j'ai un smack. Oui. Et t'as déjà fait un bisou avec la langue ou pas? Pas encore. Pas encore. Elle est pas en 4e non plus. Hein. Je suis en 6e. T'as le temps. Ok, next. Quel est ton chachaminou préféré? Mon chachaminou préféré? Oui. Il y en a plusieurs que j'aime bien. En ce moment, bah, j'adore ceux d'Harry Potter. Et forcément, celui de Serpentard. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le team gothique. Le team gothique? Ouais. Ok. Elle m'a toujours fait de. Pourtant, je suis team ancien. Ensuite. Pourquoi YouTube? Pourquoi t'as fait une chaîne YouTube? Pourquoi je fais une chaîne YouTube? Bah, pour jouer aux jeux vidéo avec des gens. Mais genre, qu'est-ce qui t'a fait? Tu t'es dit, ah ouais, je fais. Mes abonnés Twitch. Ah oui. Voilà. C'est ceux qui étaient sur Twitch qui m'ont poussé à aller sur YouTube. Les tout premiers. Et tu les anciens, des anciens, des anciens. Ta routine, est-ce que tu vas faire une routine gaming? Une vidéo routine gaming? Pour l'instant, c'est pas prévu, non. J'avais fait une routine matin, une routine soir déjà sur ma chaîne.
Mais pour l'instant, c'est pas prévu autre chose. Agathe, tu l'envoies tout pas, tu vas mettre les deux voix dans le nez. Mais je sais pas. Laisse ton nez tranquille. Oui, mais ça va venir dans les commentaires et après tu vas râler. Parce que ça va être tout le temps. Oh, Agathe, elle fait que se toucher les cheveux. Agathe, elle fait que se toucher le nez. Agathe, elle arrête pas de se toucher. Pourquoi Agathe, elle regarde pas la caméra? Pourquoi Agathe, elle fait ça tout le temps? Pourquoi Agathe, elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Non, mais t'es prévenue. Ok. Attends, j'ai perdu là. Quels sont vos plats préférés? J'en ai pas. Moi non plus. J'adore les fruits. Il y a plein de choses que j'aime. Le petit épinard saumon, ça fait toujours plaisir. Mais après, j'ai pas un truc où je dirais voilà, vraiment, c'est mon plat préféré quoi. J'aime plein de choses. J'aime beaucoup les pâtes bolo. Bah c'est bon les pâtes bolo. Ouais, mais c'est pas un enfin, bah c'est simple mais j'aime beaucoup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Magique. Quel est notre film préféré? Ou nos films préférés, j'en ai plusieurs. Ah, quelle question. Mais en fait, moi, je suis plus série en ce moment que film. Oui, il y a plein de séries Netflix, mais vraiment beaucoup. Au vu du nom de mes chats, je peux pas dire que je passerai à côté de Game of Thrones, forcément. Je pense que c'est number one. Mais après, je regarde plein de séries. J'ai fait une liste déjà sur mes réseaux sociaux. Si vous les suivez un petit peu, vous allez voir. Et puis, je vous partage de temps en temps les séries que je regarde. Mais il y en a énormément. Moi, le film que j'ai beaucoup aimé, c'est Dirty Dancing. C'est un vieux film. Ouais, mais je l'ai beaucoup aimé. C'est un beau film. Mais ouais, non. Jamais bon. Non, moi je suis plus dans tout ce qui est Harry Potter. Harry Potter, Game of Thrones, The 100, toutes ces séries-là un petit peu fantastiques, j'adore. American Horror Story. Ah, ça, je connais pas du tout. J'adore. Parce que j'aime beaucoup les films d'horreur. Je déteste ça. Et bah ouais. Mais j'allais dire, on est pas cousine pour rien, mais si, du coup. Bah si. Du coup. Bah si, on est cousine pour rien. Désolée, là, on est vraiment cousine pour rien, là. Agathe, est-ce que tu aimerais te créer une chaîne YouTube? Attends, on l'a pas déjà dit. Si. Elle l'a écrit deux fois au cas où. Oui, bah j'ai perdu la question, ok. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui veut commencer YouTube maintenant? Bah faire ce qui lui plaît. Faut pas essayer de se dire je veux absolument faire YouTube pour devenir YouTuber ou absolument faire YouTube pour que YouTube ça marche et pour avoir plein d'abonnés, plein de vues, etc. Mais plus qu'est-ce que moi j'ai envie de partager aux gens et qu'est-ce que moi j'ai envie de partager sur YouTube. Voilà. Et après se lancer quoi. Bon conseil. Regarder des tutos sur internet, voir un petit peu comment ça marche au niveau des montages, au niveau de quel matériel, avec quel matériel se filmer, et puis tenter quoi. Voilà, se faire plaisir, surtout se faire plaisir. Ouais. Quels sont vos réseaux sociaux? Ah non, il y en a trop. Bah ils sont dans la description moi. Allez, salut. Moi j'en ai qu'un alors, comme ça. T'as quoi? J'ai Musical.ly. Bah vous pouvez l'ajouter sur son Musical.ly. C'est Agathe vs Jade, parce que c'est un compte à deux. Voilà. Ta-da. Ensuite, êtes-vous en couple? Est-ce qu'on est en couple? C'est la question. Uh-huh. Elle est revenue, mais plein de fois. Alors Agathe, est-ce que tu es en couple? Non. Alors... Ok, bah elle n'est pas en couple, donc c'est un petit cœur à prendre. Oh, comment c'est trop mignon! Et moi, comme je vous ai déjà dit la dernière fois, ça ne vous regarde pas. Je n'en parlerai plus sur ma chaîne YouTube. Ta-da! Top secret. Peut-être que oui, peut-être que non. Next. Quelles sont nos passions en dehors de YouTube? Les animaux, le dessin, la piscine. Oui, parce que j'adore me baigner. Moi, ben, pas de passion. Moi, j'aime bien me baigner. Pas de passion. Oh mon pauvre doudou, il a pas de passion. Faire des Musical.ly. Je peux vous dire que ça, c'est une passion. Parce que quand je lui ai dit, est-ce que tu veux faire la musical.ly devant la tour Eiffel? Et puis devant la tour Eiffel, elle n'avait plus de batterie. Mais c'est pas grave, on est quand même allé devant la tour Eiffel. C'est ça. Oh. On en a fait pour ce petit chat. Mais j'ai pas de passion. Bon, faut que tu m'en trouves une. Bien sûr. Demain, je te trouve une passion. Allez, passion Japan Expo, c'est parti. Allez. Oh. Une petite dernière pour la route. Allez. Allez, the last one. Si, alors ça, c'est très bizarre comme question. D'accord. Si vous devez vous teindre les cheveux, quelle couleur vous choisirez? Pourquoi c'est bizarre? Bah, je sais pas, c'est pas une question que tu poses tous les jours à quelqu'un. Rose. Hey, qu'est-ce que tu prendrais? Rose, pour l'avoir déjà fait, je kiffe de ouf, donc rose. Moi, j'aime bien rose, bleu pastel et violet pastel. Violet pastel. Je suis licorne. C'est vrai que le bleu un peu glacial, bleu clair et tout, c'est très très beau aussi. Mais bleu très clair. Mais bleu, le problème, c'est que quand t'es blonde, ça ne se. Bah si. Mais si, ça se voit trop. Mais ça finit vert. Oui. Ah oui. Et ça, c'est très très moche. Enfin, on n'aime pas. Non. Vous avez le droit d'aimer. On n'aime pas. On n'aime pas. Et bah, cette vidéo est terminée. Oui. Lâche un pouce bleu. Oui. Oui. Plein de poupous. J'aime bien. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao. Ciao. Mouah.